Salut, c'est la Window, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. On découvre le tirage des énergies de la guidance des scorpions pour le mois de décembre 2022. Alors les scorpions, nous terminons cette série de vidéos du mois de décembre avec vous les amis. Et on démarre avec un premier message des portes magiques de l'univers. Et pour vous ce mois-ci, pour ce mois de décembre, c'est l'essentiel reconnexion. Connecter au meilleur de vous, des ressources illimitées se révèlent. L'essentiel reconnexion. Vous allez ascensionner. Bon, les scorpions, votre état d'esprit, c'est le soleil ce mois-ci avec le tarot. Le challenge, le 4 de denier, la force, les outils, le valet de bâton. Sur la sphère professionnelle, hobby, loisirs, 4 de coupe. Sur la sphère financière et matérielle, roi de bâton. Et sur l'émotionnel, relationnel, sentimental, le mat. On garde une carte bonus de résultat et en dos des decks, vous avez la roue de fortune. Alors, le soleil commence à tomber, je vois qu'on a encore un peu de lumière, donc ça va. Allons-y. Le soleil, c'est un des plus beaux arcanes majeurs. C'est les bons partenariats, c'est le bonheur, c'est la joie, c'est le fait de se retrouver entouré de personnes qu'on aime, c'est la fête, c'est l'harmonie, c'est le bonheur. Que demander de plus? Que demander de plus? Le soleil avec l'hiver qui approche. Le challenge 4 de denier, attention aux finances. On ne veut pas trop dépenser, on veut être prévoyant. Ou justement, il se peut qu'il y ait un nouveau départ avec des dépenses inattendues. Sur la force, les outils, vous avez le valet de bâton qui indique un engouement, un enthousiasme à l'idée de découvrir de nouvelles choses, de recevoir des nouvelles, de communiquer, d'aller de l'avant, d'être bout en train, d'être la personne qui est heureuse, qui dégage comme ça une énergie assez joviale. Au niveau de la sphère professionnelle, au loisir, on s'ennuie, 4 de coupe, on est las, il nous manque un petit quelque chose, peut-être un petit peu une augmentation, des étrennes, quelque chose qui vous donne du peps, qui vous permet d'ascensionner, d'évoluer, de vous motiver au jour le jour à aller au boulot ou faire ce que vous avez à faire. Le cœur n'y est pas trop. On va voir. On ira recouvrir. Sur le financier matériel, pardon, on a le roi de bâton. Vous gérez. C'est vous qui avez le contrôle de vos finances. Et voilà. Ce que vous voulez, Dieu le veut aussi. Vous tapez du poing sur la table, vous êtes ferme. Et voilà, vous gérez. Après, ça peut être généreux. Hein, c'est pas le problème. C'est passionné, c'est généreux ou comme ça. Mais à voir. À voir. Sur la sphère émotionnelle, relationnelle, sentimentale, vous avez le mat. On ose tout, on sort de sa zone de confort, surtout avec ces cartes-là, nouveau départ, voyage, on s'ouvre à la découverte, on s'offre, on est vulnérable, on n'a pas peur de ses défauts, on n'a pas peur de se montrer tel qu'on est. Et vous avez une belle carte hein, en dos de deck. Donc allons recouvrir. Sur le soleil, 7 d'épée. 9 de bâton. Oh, le soleil, c'en est terminé pour vous, les scorpions. Waouh! Alors, vous vous protégez. Vous levez votre armure contre les traîtres, les hypocrites, les menteurs, les voleurs. C'est terminé. Ou bien c'est vous qui faites tomber votre armure. Vous ne fuyez plus le bonheur. Ce mois-ci, c'est décidé. Vous allez vers le bonheur. Vous faites la paix avec le passé. Vous offrez un nouveau départ. On se retrouve en famille, surtout au niveau de l'émotionnel. Même si vous êtes séparés, divorcés ou comme ça, vous saurez créer des moments chaleureux en famille hein, pour les fêtes ou comme ça. On fera la paix pour pouvoir se retrouver. Parfait. Je n'ai rien d'autre à ajouter sur l'état d'esprit. Sur le 4 de denier, l'as de bâton, l'arcane sans nom et le 2 de bâton. Alors, vous pourriez être tenté par un nouveau job, mais ce n'est peut-être pas encore celui qu'il vous faut. Vous êtes tenté par un nouveau départ, mais vous n'êtes pas encore prêt tout à fait à couper pour aller vers la croisée d'un chemin ou comme ça. Parce qu'il y a des engagements, des responsabilités financières qui, pour l'instant, vous bloquent. Faut pas qu'on vous force la main ici. Hein. Y a, même sentimentalement parlant ou comme ça, même si vous avez des vœux, des souhaits, l'envie de... pour l'instant, vous n'êtes pas prêt à reconnecter, vous n'êtes pas prêt à vous engager, vous n'êtes pas prêt à prendre des décisions, et c'est comme ça. Connecter au meilleur de vous, des ressources illimitées se révèlent. À voir, hein, c'est un challenge. Il y a quelque chose à couper de l'ordre de la passion, de la séduction, du feu, ou comme ça, pour trouver un équilibre. À voir. Hein. Sur le valet de bâton, oh, punaise, le magicien, valet de denier,
Et 5 de denier, as de coupe. Il y a beaucoup de nouveautés dans l'air hein, pour vous. J'ai beaucoup d'as, le magicien, des valets, des as. Alors j'ai quand même cette notion en force de manifester de la nouveauté pour combler un manque, pour redonner une direction à votre vie. Il y a une difficulté à couper avec une relation passée, hein. Il y a une personne qui vous hante ici. Vous ne savez pas trop si c'est terminé. Ça peut aussi nous parler d'un travail où vous ne savez pas trop si vous êtes prêt à arrêter pour essayer quelque chose de nouveau, peut-être plus indépendant ou comme ça. L'idée, c'est vraiment l'équilibre des finances, l'équilibre du travail, et puis vous sentir en confiance. A priori, en force, vous avez tous les outils entre les mains pour vous lancer dans quelque chose de nouveau qui va vous mener sur de nouveaux sentiers à explorer, mais vous avez le soleil pour être guidé, hein. Alors, sur la sphère pro, voyons voir si c'est ce sujet-là. L'ermite, l'as d'épée, 8 de denier. Pour certains, vous essayez de négocier une rupture ou vous réfléchissez à une rupture, à savoir si ça va être à votre avantage, si vous allez gagner de l'argent sur une rupture conventionnelle ou comme ça, ou vous envisagez la retraite. L'argent rentre en compte, en fait, clairement, au niveau du professionnel. On se pose des questions par rapport à l'argent. On est impliqué, on est méthodique, on est concentré, on est investi. Mais on voudrait savoir quelque chose. On voudrait savoir quelque chose. Mais ce n'est pas encore révélé. Ce n'est pas encore révélé et vous vous ennuyez d'une situation. Vous êtes enfermé dans votre bureau comme ça, vous avez envie de liberté. Et vous y réfléchissez, vous vous posez des questions, vous cherchez de l'information. Est-ce qu'il faut vous former à quelque chose de nouveau? Quoi qu'il en soit, vous travaillez, même si le cœur n'y est pas. Pour les finances, c'est important. Sur le roi de bâton, vous avez le 3 de bâton, l'impératrice et le 4 de denier. On reste, hein. On reste sur ce qui est. Pour les enfants, pour la maison, pour l'équilibre familial. On envisage des projets. On sait qu'on va se mettre en action, on sait qu'on va y aller. C'est lié à l'émotionnel. C'est peut-être pas tout à fait le bon moment. On cherche l'équilibre. On ne veut pas prendre de décision rapide sur le financier parce que vous avez déjà connu un échec, un manque ou quelque chose qui n'a pas fonctionné. Mais ce n'est pas grave. Vous allez lever des barrières par rapport à ce passé-là, le laisser au passé et retrouver cette lumière et vous laisser guider. C'est un processus ici, hein, les scorpions. L'attachement aussi à la mère de vos enfants, au père de vos enfants, et la difficulté à vous éloigner, à envisager de nouveaux projets de vie, ça va dépendre de l'âge de vos enfants ici. Sur le mat et le relationnel, on a l'étoile, la reine d'épée et le cavalier de coupe. Alors, roi de coupe, reine de coupe, ah oui d'accord, et le mat. Les scorpions. Ben, y a un rêve qui prend fin et il y a une nouvelle histoire qui arrive. Et on a un couple symbolique ici. Donc il y a l'idée de faire table rase du passé pour faire de la place pour maintenant. Il y a une personne qui peut paraître froide, mais qui vous plaît, très intelligente, fine analyse, une certaine éducation, une certaine élégance. Vous ne la prenez pas nécessairement au sérieux au premier abord, mais ah si, bah écoutez, le pape et la reine de denier. Il y a besoin de savoir où vous en êtes, vous les scorpions, parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair chez vous. Où est-ce que vous allez? Est-ce que le passé va revenir? Est-ce que vous êtes disponible? Est-ce que vous êtes célibataire? Est-ce qu'il y a des énergies tierces autour de vous? Est-ce que quelqu'un cherche à avoir le contrôle sur vous, sur vos enfants, bien s'immiscer dans votre vie? Vous ne savez pas trop si vous êtes célibataire ou en couple? Ou séparés, il y a des espoirs encore de revenir dans le passé. Et c'est un challenge. Vous voyez ce challenge-là? C'est comme si vous aviez encore du désir pour un ou une ancienne partenaire. Oui, il y a un attachement, un désir pour un ou une ancienne partenaire. Et c'est pas réglé. Ou alors c'est une relation ambiguë. Allons recouvrir un petit peu. Je
Je veux bien voir sur la force, là, tous ces valets, ce magicien, le 5 de denier, le 2 de coupe. Il y a une nouvelle rencontre. Il y a de la nouveauté, il y a une nouvelle rencontre pour vous, les scorpions. Mais est-ce que vous allez vous donner les moyens? Ou est-ce que vous allez faire stagner la personne et l'embrouiller? La perdre, en fait, dans vos incertitudes. Bon, le travail, on prend pas. C'est l'ermite qui ressort. Vous n'êtes pas prêt à prendre une décision. Pour l'instant, vous êtes à la réflexion, c'est tout, c'est comme ça. Chacun son rythme. Et pour l'instant, c'est les finances qui l'emportent sur le travail. C'est très bien comme ça, on n'y touche pas. Même si vous cherchez à faire une autre source d'argent, pour l'instant, vous n'êtes pas vraiment prêt à prendre une décision. Alors, sur le financier, roi de bâton, 5 de denier qui ressort. Hein. J'ai de l'énergie tierce chez vous, les scorpions. S'il y a une nouvelle personne, une nouvelle situation qui se présente, il n'y a pas de place pour elle. Elle vous tend la main, il y a une proposition. Mais vous, c'est oui, mais il faut composer avec mon passé. Or, cette personne, c'est trop lourd pour elle, ce passé. Elle en veut, elle veut pas vivre dans le passé. Elle veut là, maintenant, l'as de denier. Bon. Vous avez le magicien, vous avez le pape, vous avez le monde, vous avez des énergies pour pouvoir avancer. Vous le mettez en attente, ce cavalier de coupe. Et en compétition. Avec le passé. Vous ne voulez pas perdre ce que vous avez construit jusqu'à maintenant. Il y a quelque chose d'établi, il ne faut pas le changer. Vous avez une main de fer dessus. On vous invite à équilibrer. À donner un petit peu plus, hein, les scorpions. À être généreux, mais voyez auprès de qui vous êtes généreux. Parce que vous donnez tout dans le passé, dans la tristesse, dans la perte. Et c'est étonnant. Après, de toute façon, c'est quand même une question d'équilibre, hein, les finances. J'ai besoin de voir la sphère. Ouais, vous mettez en pause. L'émotionnel, il est en pause, il est à distance. Il n'y a que vous qui puissiez savoir, hein, c'est quoi cette ambiguïté, cette lutte en vous, ce que vous nourrissez, qui dit que vous allez vers la souffrance, la peine, la perte. Surtout au niveau des finances. Comme si vous aviez tout fait pour offrir aux autres l'impression d'avoir été extrêmement généreux et que c'est complètement bloqué à partir de là. Vous êtes braqué sur le matériel. Et si on vous offre un cœur, vous ne le voyez pas, vous avez le dos tourné. Ouais. Non, 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 j'ai d'autres choses en tête. Je peux pas. On verra plus tard. Ouais. Quelqu'un veut avancer et puis vous êtes bloqué. Hein. Il y a une guérison, un deuil, vous êtes bloqué. La passion, oui. Le plaisir, oui. L'amour, non, vous ne savez pas, vous ne savez pas. C'est le contrôle, chef de famille, parents, maison, responsabilité, facture. Alors peut-être c'est la personne en face de vous. Et vous vous dites, bon, ben, qu'à cela ne tienne, j'ai besoin de vivre autre chose, hein, prendre du recul et vivre autre chose, parce que beaucoup de prises de tête, hein. Une dernière, ouais, besoin de prendre du recul. Parce que là, c'est beaucoup dans le mental et on bloque l'émotionnel. Hein. Et pourtant, en force, il y a un lien qui pourrait être magnifique. Surtout avec le soleil. Bonus, valet de coupe, nouvelle histoire d'amour. Légèreté, espièglerie, ouverture. Reine de denier, 4 d'épée, cavalier de denier. Après, c'est à votre rythme. Il n'y a rien à forcer non plus, les scorpions. Tant que vous n'êtes pas bien avec vous-même, en paix dans votre tête, vous ne pourrez pas avancer vers de la nouveauté. Que ce soit professionnel, financier, émotionnel ou comme ça. Chacun son rythme. Ou alors c'est la personne en face de vous, elle a son rythme et on ne peut pas le contrôler, on ne peut pas le forcer. À investir, à tendre la main ou comme ça. Du coup, je veux juste en remettre une sur ce magnifique soleil, ce magnifique état d'esprit. Bah, le pape. Écoutez, vous êtes dans un bel état d'esprit. Tout est une question d'équilibre et d'apprendre à se libérer de ses fardeaux, de ses bagages passés, de ses peines, de ses échecs. D'avoir une réflexion, une analyse autour de ça, une intelligence d'esprit. Et c'est quand vous serez prêt. Quand vous serez prêt
accepter que les épreuves de la vie sont faites pour vous, se présentent pour vous faire évoluer, gagner en sagesse, en maturité, en philosophie de vie, en ces choses-là, en lumière, en reconnexion à l'essentiel. Bien, concluons. Avec les portes de l'intuition, les scorpions, vous avez le masque. En montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être. Et en dos des decks, vous avez la loi d'attraction. Vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie avec lucidité. Voyez la puissance de cette force. Moi, je vois qu'il y a quelque chose à réparer du passé. Et que pour l'instant, vous êtes un petit peu dans la rébellion, vous ne voulez pas. C'est un peu un moment de chaos pour aller vers l'idée de se rendre disponible au changement et d'accepter de reconstruire avec une personne à deux et de lâcher le contrôle en fait, sur votre vision, votre manière, parce qu'il y a des blessures. Ouais, y a la transmutation, besoin de réussir. J'ai envie de vous en remettre une. La clé. Tout peut arriver dès que vous êtes conscient de votre potentialité. Voir la confiance en vous, hein, les scorpions. Quelque chose qui vous a déstabilisé. Et puis voir la confiance en vous. Et les buts, ce que vous voulez dans la vie. Hein. Mais moi, je sens une renaissance. Et le besoin de lâcher prise par rapport à le besoin de gérer quelque chose de familial ou de vous donner un rôle qui vous rassure et en même temps... voilà, pour vous, il y a une importance, il y a quelque chose, des valeurs ou comme ça. Et au final, il y a besoin de déployer des ailes, vos ailes. Voilà, amis scorpions, pour votre lecture du mois de décembre. J'espère que ça vous parle et vous apporte des réponses. J'espère que vous avez passé un agréable moment. Si vous souhaitez un complément d'information, je vous invite à vous rendre sur la vidéo de votre signe ascendant pour le général. Vénus ou lunaire pour le sentimental, je pense qu'il y en a besoin ici. Sur ce, un grand merci de votre écoute, présence et fidélité. Un grand, grand merci à toutes les personnes qui likent la vidéo, qui commentent la vidéo. C'est important de le faire. Également à toutes les personnes qui s'abonnent à la chaîne. Merci du fond du cœur. C'est ce qui me soutient, ce qui me permet de rendre des vidéos visibles au maximum. Donc merci, merci, merci. Sur ce, je vous souhaite un excellent mois de décembre, d'excellentes fêtes de fin d'année. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt sur la Wombe. Ciao, ciao, bye bye. I got love, love.